passer et de jeter un œil à Manissan? Pour le truc. Pas de problème. Toujours dispo pour le non-club de drift du Mexique. Dans 200 mètres, tournez à droite. Vous avez atteint votre destination. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Une Nismo GTR. J'aime bien les Nissan. C'est l'une des meilleures plateformes de drift au monde. À mon humble avis, bien sûr. Je suis pas fermé à d'autres avis éclairés. On a l'itinéraire. Plus qu'à voir de quoi elle est capable. Le tracé est technique. Des virages très serrés le long du réservoir. La propulsion est toute recommandée ici, ceci dit. Enchaînement de virages super serrés à venir. De série, évidemment. Transmission intégrale. Et pas donné avec ça. D'habitude, on en voit surtout sur le circuit de Drift Pro. Par chance, il y en avait une au festival, alors j'y ai jeté un petit coup d'œil. La GTR est connue pour sa polyvalence. Et c'est pas uniquement grâce à son empattement et son adhérence naturelle. Le moteur VR38 DETT fait un excellent point de départ pour une voiture de drift. Turbo de série atteignent les 700 chevaux à l'aise. Bien sûr, il faut que le système d'admission et d'échappement suive derrière. En résumé, c'est une excellente plateforme de drift, à condition d'avoir les moyens. C'est une bonne voiture. Quel est le prochain véhicule de recrutement? De recrutement? Je vois pas du tout de quoi tu parles. C'est ça. Appelle-moi.